Good morning, church. Bonjour, Église. Alléluia. Good morning, church. Bonjour, Église. You are welcome in the arena of liberty in Jesus' name. Soyez bienvenus à l'arène de la liberté au nom de Jésus. Raise up your hand, let us pray. Levez votre main, nous allons prier. Father, we thank you. Père, nous te bénissons. Jesus, we thank you. Jésus, nous te bénissons. King of glory, we thank you. Roi de gloire, nous te bénissons. Everlasting Father, we thank you. Père éternel, nous te bénissons. Blessed be your holy name. Béni soit ton saint nom. Father, we want to speak your word. Père, nous voulons parler ta parole. Through your word. À travers ta parole. You can do all things. Tu peux faire toutes choses. Give us your word to speak. Belong to him. Votre prophète ne fera jamais quelque chose selon lui.
me by the supernatural power. Compete on me. But what is your volunteer? Pouvez vous asseoir. Ouvrez vos Bibles avec moi. Nous allons lire la Bible. The Bible, you need to connect and to listen and to understand and connect. Vous devez vous connecter, écouter et comprendre aussi. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, chapitre 37, du verset 5 au verset 7. Il est écrit: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Verset 6, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Verset 7, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Amen. Acclamez Dieu. Hallelujah. You are listening to the word of God. Vous avez entendu la parole. The Bible tells us. La Bible nous dit. How you will drop everything. Comment vous devez laisser toutes choses. In the arms of God and God to do it. Entre les mains de Dieu pour qu'il puisse agir pour vous. Let me to tell you the title of today's message. Cela me dirige pour vous donner le thème de la parole de ce matin. Leave your trouble in the hands of God. Laisse tes problèmes en les mains de Dieu. That is the title of today's message. C'est le thème de ce matin. Leave your trouble in the hands of God. Laisse tes problèmes en les mains de Dieu. Tell your neighbor, leave your trouble. Dis à ton voisin, laisse tes problèmes en les mains de Dieu. You will solve your problem. Est-ce que vous pouvez résoudre vos problèmes vous-même? You feel humble in your problem. Est-ce que vous pouvez résoudre vos problèmes vous-même? Who can do that? Qui peut le faire à votre place? Jésus. Hein? Leave it for him. Alors dans ce cas, laissez vos problèmes en vos mains. That is the word of God of today that the Lord has given to us to speak to you. C'est la parole que l'Éternel nous a donnée pour partager avec vous ce matin. Put your hands together. Acclamez vos mains pour Dieu. God. Dieu. Don't want any stronger effort for you to solve your problem. Dieu ne veut pas que vous puissiez fournir beaucoup d'efforts pour résoudre vos problèmes vous-même. You will do what he wants you to do and what he cannot be do, don't force it. Là où tu peux faire comme il te dit, là où il t'a dit pour arrêter, tu peux arrêter là, lui continue le reste. Amen. Là où tu ne peux pas faire, toi tu vas commencer à se battre. Attends, tu peux être aux yeux des gens pour quelqu'un de combattant. Mais aux yeux de Dieu, tu as créé des souffrir. Voilà pourquoi tu peux faire là où tu peux faire, le reste, laisse à lui de faire le reste. Amen. Alléluia. Amen. Parce que sa capacité, son énergie, sa force et sa puissance n'est pas parler comme toi. Le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Mettez tous tes soucis. Parmi nous tous qui sommes ici, chacun de nous a un souci. Chacun de nous a un souci ou un problème ou des problèmes, trois problèmes que lui se bat, qu'il n'arrive pas à faire. Depuis combien de temps? C'est ça que Dieu a dit, non? Laisse. Comme la lumière et ton droit comme
comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Car les fondations arrivent déjà à tout ce mouvement qui est fait de toi. Tu as besoin de quelque chose. Assez prions. Tu n'as pas besoin de s'épanouir ou marcher. Pourquoi? Parce qu'il a déjà programmé. Positionné. Bien avant le temps, le corps, il a déjà classé. Dieu, tu n'as plus besoin de penser. Tu n'as plus besoin de se lamenter. Tu n'as plus besoin de se paniquer. Pourquoi? Parce qu'il a déjà pris le contrôle. Il a déjà pris le contrôle. Alléluia. Quel est ton problème? Tes soucis, c'est quoi? Qu'est-ce que tu
quoi tu veux que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce qui te donne le... My God. Toi, qu'est-ce qui te donne le mot de tête? Qu'est-ce qui te fait en sorte de tête? Tu n'arrives pas à comprendre que Dieu est créateur. Regardez tes problèmes, tu les fais. Non, non, arrivé jusqu'à un temps là, tu n'arrives pas à les résoudre comme la manière où tu voulais les faire. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Tu ne connais plus comment tu vas résoudre le problème. Laisse-moi pour te dire, il y a un Dieu. Alléluia. Amen. L'Éternel est bon. Amen. L'Éternel est bon. Amen. Dis à ton voisin, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Ne parle pas la manière que tu parles. Dis si c'est bon. Alléluia. Amen. Prenez la place. Mets tes problèmes dans la main de Dieu. Il fera le reste. Amen. Que Dieu vous bénisse. How sweet that saved a wretch like me.